Et je ne saurais m'assujettir au pouvoir de quiconque pour devenir un objet. En effet, tout drame résidait dans le cachet origine saga. Moi, je fais connaissance avec monsieur qui venait vous dire ça, non, dans le commencement de l'année 2021. Et c'est Pierre Espérance qui présentait lui dans le local RNDDH. Comme on parle, comme partenaire. Moi, je suis venu rencontrer avec lui souvent dans le bureau de M. Pierre Espérance. Parce que c'est là qu'on fait journée. Dans l'année 2021. Comme c'est moi qui était responsable pour travailler sous suivi pour qui subit violence dans la période de mobilisation à l'époque là, c'est avec RNDDH, moi qu'on fait monitoring victime. Et ça t'est obligé de nous parler et rencontrer souvent. Première idée que nous avons gagné de M. Pierre Espérance, c'était une vraie patriote. Ils ont vraiment cagoumé pour défendre l'amour, pour faire respecter l'amour. Confiance à lui et ça que nous avons développé a été tellement grand, nous avons réuni notre frère à sœur. À un moment, dans le mois de juin 2021, donné au cas de changer. Nous m'en déparlons, mesdames. À un moment donné, à l'année 2021, dans juin, donné au cas de changer. Un matin, j'ai reçu un appel de Pierre Espérance, comme d'habitude, frère une seule. Frère me dit, en passant pour me dire, Pierre toujours dit que vous dites toujours à demander pour vous, vous dites toujours vous êtes salaud, vous êtes fou. Ce que j'ai apprécié. Un matin, au mois de juin, Pierre Espérance m'a appelé pour me dire, ah, non, non, on a parlé, il dit, ah, vous dites que vous rêvez. Il dit, ah, bon, qui rêve qui fait? Ni tout vrai qu'on aime, dit oui, c'est pour le salir. Il y a espérance, ou dit-il, lui rêver que nous quatre, parmi nous, il y a espérance et moi-même, nous trouvons nous même côté, la même chambre, sous même cabane. Pour signer un papier pour faire un contact avec nous, société civile, non?
pour moi, pour déléguer légitimité, en fait, un journal pour vous assassiner. Pour déléguer légitimité, SDP, bye. Société civile, la société civile, la a négocié Washington. Nous avons joué avec le show, et c'est des bons mondes qui ont travaillé sur la société civile, vous voyez, donc bien que sorti Washington, et meilleure solution pour joindre, c'est pas la légitimité que nous-mêmes nous gagnons, sinon pas que nous allons représenter nous à négocier Washington. Monsieur dit, ok, à rencontrer, mais vous pouvez rencontrer le projet, à force, vous pouvez rencontrer, nous pouvons dire deux fois, il y en a. Effectivement, il y a eu le rencontre. Jovenel Pokomou. Il a dit nous clairement, moi sur blanc, que nous avons fait des marches de bon côté nous, comme groupe qui a en avant de la scène de la mobilisation, pour nous bailler aux lettres, que nous transférions notre légitimité, nous, pour y aller négocier à Washington. Monsieur répond, il a dit nous pas de problème. Mais nous-mêmes, tout en tant que groupe politique, nous avons des groupes dans la société civile qui font partie de nous. Peut-être nous avons deux à trois représentations. En dans nous, le SANA, rien garanti, il a signé papier. Ils ont refusé. Ils ont refusé des personnes. Et de là, nous disons, nous ne pouvons pas signer, nous ne pouvons pas payer légitimité, nous ne pouvons pas négocier pour nous, nous ne pouvons pas payer. Nous demandons des documents, nous ne pouvons pas payer. Ce sont ces deux faits. Après Pierre Habita Petit, Pierre Espérance Habita Petit. N'a payé ça quand même, moi comme bataille et nous pas de droit en rien dans le pays d'Haïti. Et de là, Pierre a commencé, Pierre Espérance commence son campagne dans toute radio, il passe Flambeau à Oudi, il place Flambeau à Oudi Salon pour Oudi Salon régler à nous. Ça pas, moi-même, le problème, moi, c'est que, comme nous ne pouvons pas d'accord, nous disons non. Il y a deux faits insolites, la question du rêve qui table et proposer une séance à 3, à 4, 3, nous puissions le faire 4. Et il y a la question de ne pas vouloir signer et ne pas accepter signer avec la société civile. Monitoré par Pierre Espérance, Cognéa, Pierre Espérance, utiliser Woody, Thomas, Sanon pour le détruire. Ça va garder. Si Woody Sanon à Pierre Espérance, ça fait une même chambre. Ça va garder. Il est soit politique, pas. Moi, j'ai une tête, moi, pour gérer le droit de dire non. Nous ne pouvons pas poser une question journaliste. Comment il fait? Vous dites ça, nous, ça, qui a dit toute journée, il était officiel, il était dans le gouvernement, que il y avait le fond de la caille, le fond de la caille. Est-ce que j'entends que le jour, il y a un jour? Marjorie Michel, pas ministre. Marjorie Michel signe seulement un accord. Est-ce que signer un accord équivaut à tout ça que vous dites après? Vous dites que sont femmes l'air, vous dites que sont des doumes minaires, vous dites que sont des crochets, vous dites que sont pas des mots, vous dites que sont volés, vous dites pas des organisations comme vous êtes boissé dans boissé, sous cette organisation comme vous connaissez, qui existe depuis, vous dites chaque jour, vous dites dans la radio, pour moi. Moi-même, résilience. Moi, respecter tout le monde et pas des mondes qui ont fait tourner objet. La question, parce que nous sommes femmes qui ont fait politique, pour nous comprendre, nous avons utilisé comme femmes, pour arriver, pour convaincre, pour servir, pour aller, pour nous, pas objet politique, pas objet sexuel. Rien de la part de Woody Salon et Pierre Espérance. Qui conduit cette situation là. Mais ma prêtez tout bon, ma goumen, on connaît toute fille, c'est méchanceté ou arrangé au fait mon, ma tonne. De bien faire ma tonne yo et au pape femme. Il ne me causera pas, ils ne me causeront pas le silence. Je m'en ai dit, c'est fou et t'as quoi entre dans le trou, mais pas caché.
passer toute vie, moi faire c'est pour servir le monde. C'est ça me fait dans la vie. Pour édification, nous, mesdames, moi dis ça le dernier, pour vous. Nous t'écrivons, malgré que vous n'avez pas de chance suspendue. Moi, je viens de dire, mais réalité, ils nous fait deux propositions innocentes. J'ai dit non, et parce que je dis non, on ne peut pas exister encore. Depuis sa fondation, le 7 mars 2016, discrimination. En effet, la plateforme Femmes Engagées a travaillé au cours des 8 dernières années pour que les hommes et les femmes contribuent de manière égale et équitable à l'amélioration des conditions de vie dans la société, en général et dans les familles en particulier. Permettez-moi, en tant que coordonnatrice nationale de la plateforme Femmes Engagées, de remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué grâce à leur support financier, matériel, à leur travail assidu, à faire de nous, Femmes Engagées, ce que nous sommes aujourd'hui. J'en profite pour vous faire le bilan des activités que nous avons réalisées dans le cadre de la promotion des droits de la femme et des filles. Permettez aussi que je remercie les organisations membres de la plateforme qui ont consenti d'énormes sacrifices afin de rendre effective la mise en commun pour des résultats collectifs, visibles et palpables. Mesdames, nous guérissons très l'été pour ces vitesses. Je remercie aussi nos jeunes et vaillants brigadiers qui ont accepté dans un élan patriotique et de sororité de se lancer avec nous dans le service communautaire et social en faveur des couches les plus vulnérables. Mesdames, il y a quoi qu'une fille. Nous qu'a dit tout le monde, pas chercher nous dans l'espace. C'est souterrain, c'est à terre. Martin, mesdames, courage. Que mes femmes, jour nous arrivons à construire une société côté droit femme à égal à droit tout le monde. Nous avons offert de l'accompagnement social à 21 000 pendant les 8 dernières années, à 21 515 femmes et enfants, soutien alimentaire, sanitaire, universitaire, paiement de loyer, etc. Nous avons un programme fixe de solidarité alimentaire à 600 femmes chaque 2 mois. Nous avons contribué à organiser la formation en cosmétologie, cordonnerie, maroquinerie, broderie, coupe-couture, peinture sur tissu au profit de 348 jeunes mamans pendant nos 8 années. La plateforme a formé 860 femmes en VBG violence basée sur le genre, 50 femmes brigadières pour la paix, en monitoring de la situation des femmes et des filles dans les zones difficiles et dans les centres d'hébergement,
60 femmes sont formées dans la pratique de gestion des activités génératives de revenus. Nous avons offert un accompagnement financier à 54 petites marchandes via la rubrique Mesor Pau et dans notre système de budget appelé Mutuelle Main ou Mutuelle Solidarité Groupe. La plateforme a réalisé 23 cliniques mobiles pendant ces 8 années, cliniques mobiles pour femmes et enfants, et a procédé à l'installation du centre social, du centre médico-social Femmes Actives. Nous avons fait l'acquisition de terrain dans le nord, 2 hectares, pour la construction de centres sociaux et professionnels pour femmes et filles, centre social à professionnel Marie-Noël Bélizière Tichoukou. Nous avons accompagné les femmes victimes lors des catastrophes telles que tremblement de terre, inondation, incendie et migration interne forcée. Dans notre rubrique de valorisation des femmes exemplaires, nous avons organisé 4 éditions Prix Femmes Engagées pour récompenser et honorer plus d'une dizaine de femmes leaders qui ont influencé positivement la communauté haïtienne dans les domaines d'horizons divers. On peut citer parmi lesquels Liliane Pierre-Paul, décédée malheureusement, pour qui je vous demande une minute de recueillement. Merci. Toujours dans la rubrique valorisation des femmes. On a eu à valoriser le travail de, après Madame Lilian Pierre-Paul, on a pu valoriser Madame Marie Raphaël Pierre, Madame Israna Germain, Madame Christelle Saint-Georges, Madame Chilor Perrin, Madame Sophonie Louis, Marie-Antoinette Duclair, que nous avons honoré à titre posthume, Bertini Chérisa, Lully Joseph, une délégation de la plateforme Femmes Engagées pour Haïti a été dans le Nord-Est, honoré la contribution et le travail des femmes de la construction du canal de la rivière Massacre. Il s'agit de Jésus Lajoisard, Thalys Néerland, Charles Anis, Clairvoix Venise, Emeline Antenor et Miloui Soufra. Enfin, l'organisation Femmes Engagées a organisé le 1er janvier dernier dans différentes zones sa 4e édition de distribution de la soupe jumeau sous le sobriquet de la soupe Claire Heureux. Nous faisons déjà pendant 8 l'année passée. Au nom de la plateforme Femmes Engagées pour Haïti, j'annonce très prochainement le lancement de la Loto Choukoun. Femmes pays, nous voulons renouveler l'engagement dans la plateforme Femmes Engagées pour toujours faire solidarité avec vous. Dans n'importe circonstance, ça caille. Devise nous c'est utiliser carnet adresse nous. Je vais ouvrir une petite parenthèse sur demande de mes sœurs de la plateforme qui veulent que je fixe certains faits sur les attaques sexistes, haineuses, misogynes et attentatoires à ma vie dont je suis l'objet de la part de monsieur au nom de Rudy Thomas Sall. Mesdames, vous m'avez répondu, vous m'avez pas. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Silence qui fit guérir pour faire connaître ces silences à mi-temps.
haïtienne, habité en bas de la zone. Et n'a continué à poursuivre Chibem. Mission principale, nous, la plateforme, c'est d'utiliser l'influence sociale et politique nous gagner pour nous servir femmes et petits qui ont grand besoin. Nous, c'est, mesdames, vous gardez ce nous c'est. Mesdames, vous gardez ce nous c'est qui? Nous sommes femmes engagées pour Haïti. C'est ça. Obligation nous se mettre tout ça nous gagner comme capacité et actif pour nous porter réponse ensemble à difficultés femmes et petits monde qui besoin de solidarité. Dans la plateforme pour engager pour Haïti, nous travaillons sous santé communautaire, assistance médicale et juridique pour femmes actives qui subissent violence, éducation, formation sous citoyenneté, formation en métier. Qu'il dit la paix, santé femme active, solidarité entre femmes et filles dans une situation difficile, autonomisation femme, renforcement de l'activité qui baille mesdames l'argent, encouragement qu'il dit la paix. C'est pour ce femme qui est valé dans la société, nous c'est cette thèse. Action plateforme. Plateforme non organisée suivant des mandats, une clinique mobile dans une zone différente chaque jour. Plateforme non mettait en place 200 santé communautaires, centre médico-social formatif, dans Delma à Guavena. Ils ont fait consultation gratis deux fois chaque mois avec médicaments gratis. Plateforme non a financé l'école à formation dans métier pour petit monde à jeunes filles. Il y a un centre d'apprentissage qui met 10 métiers pour femmes dans des mains. Il y a un métier de solidarité, mais contre les femmes. La femme a un programme de solidarité, côté Libye, chaque deux mois, 600 paniers alimentaires à conseiller les femmes qui travaillent. Il y a une station radio qui est dans l'émission, et c'est Radio AC Radio Amitié FM qui est 140. La femme a accompagné plusieurs organisations à jeunes filles dans mettre sous pied pour remembrer l'activité qui va la joie. La femme a porté solidarité et assistance par les femmes qui courent quitter la caillou à cause de l'intérêt de l'armée. La femme a porté solidarité et assistance avec assistance par les femmes qui sont victimes de la catastrophe naturelle. Plateforme Femmes Engagées pour Haïti a remercié dans notre foi encore tout partenaire social et économique, tout supporter nous, tout médecin, tout infirmière, professeur, formateur qui toujours répond volontiers pour poser support à compétences dans le cadre de réalisation mission plateforme. Dans la plateforme Femmes Engagées pour Haïti, pas capable opérationnel sans eux. La femme n'a pas de prétention d'aider toute femme, mais qui dit janvier pour nous porter dans la dimension moyen nous aide à l'assistance par les femmes actives qui sont en difficulté. Nous fiers parce que nous sentons nous utiles société, la communauté. Et mesdames, content de passer. Tout côté nous passer, ils ont apprécié le travail nous. La femme a continué de penser et perspective nous partout. Nous, c'est cette thèse. Merci.
Sorry, on va faire une image.